Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Pas bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. À l'attaque ! Je n'ai plus qu'à retourner mendier. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai l'habitude. Je n'ai jamais su me rendre utile. Qu'est-ce que tu fais là? Bien joué, Ezio. On y est. Suivez-moi. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Que prépare Vieri au juste? Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Sinon, pourquoi tout s'est passé? Je vous referai un signe pour avancer. Ken, je parie. Il s'est mis tout le monde à dos. Et maintenant, on en subit les conséquences. Il faudrait le surveiller. Il a plus toute sa tête. Donnez-leur une bonne leçon. Attrapez-le!
fait. De recruter leurs gardes dans les campagnes. Exécution. Allez, approchez. Retourne d'où tu viens, y'a rien pour toi ici. Que prépare-t-il la conduite? Pas savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Sinon, pourquoi toutes ces patrouilles? Je vous referai un signe pour avancer. Thank you.
La surveillance des bêtes est recommandée par le conseil. Votre attention. Par ordre de l'honorable conseil de Florence, la dîme prélevée sur la récolte sera étendue à tous les poissons pères supérieurs à la dizaine. Non, et impossible d'aller par là. Seront versés pour 100 mains. Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Ah, Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Pierre nous ont envoyé une embuscade, et nous ne savons plus où donner la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de cela. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Pierre et que justice soit faite. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Léa, y a-t-il autre chose? Oui bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse vous guider. Commandante! Commandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Get him up!
Prépare quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort. Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa.